Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis? Papa, t'as pas appelé EDF? Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats. T'as dormi là ou quoi? Lucie! Bon, j'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite? Oui, juste pour voir comment ça se passe. Il n'y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de toi. Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux. Arrête! On se débrouille, hein? Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. C'est quelqu'un. Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud. La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatiguée. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer.